Alors voilà, on va essayer la moto modifiée. Donc on a la batterie de MTO Brother. Donc là on le voit pas parce que j'ai mis un nouveau kit déco. Mais c'est une batterie MTO Brother donnée à 25 kW. Alors c'est très certainement avec un moteur un peu plus réceptif en termes de puissance et un peu plus performant. Donc là je suis toujours en moteur d'origine. Enfin, je monte la boîte, mais le moteur il est derrière. Donc, c'est nouveau moteur avec un contrôleur nucléaire. Voilà. Donc, là, je peux vous montrer. Voilà. Là, j'ai atteint 19 kW sur route la dernière fois que j'ai roulé. Donc on va voir en off-road si on arrive à faire un peu mieux. C'est user statistique, voilà. Reset statistique, voilà. Là je suis à zéro, comme ça je vais pouvoir voir un petit peu la puissance que je vais sortir. Bon là je suis pas chargé à fond, hein. Vous avez vu, je suis à 75 volts. Là, je vais me mettre en puissance, en mode 2. Donc c'est puissance, bon mode 1 c'est plus pour quand je la fais essayer, ça doit être 10 kW, quelque chose comme ça. Mode 2 ça doit être 15 kW et le 3 c'est full. Bon, vous voyez ces joueurs, ça demande qu'à lever. Bon ça marche. Mon pneu avant qui est un peu bas en pression. Merde, le chemin il est là. Mon pneu avant est pas assez gonflé, je vais aller regonfler. Ah, toujours la belle vue là. Bon ça marche, hein. Je suis en mode 2 là. Hop hop hop. C'est largement suffisant déjà en mode 2. J'ai mes pneus qui sont pas assez gonflés, donc ma moto elle dandine. C'est incroyable comment la pression des pneus ça change le comportement. Oh, c'est un régal quand même, hein. Oh, trop facile.
Alors il est 8h30 du mat, il fait déjà très chaud et j'en peux déjà plus. Je transpire déjà dans mon casque, c'est terrible. Oh putain, là j'ai mis le mode 3. Bon, faut être indulgent. Hein. Oh putain, oh, c'est violent. Oh putain! Voilà, on manque plus de puissance dans la montée là. Wow. 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 Ouais, c'est méchant. Hein. Bon, pas bête entre toutes les mains là quand même. Alors là, les petites épines, elles glissent à mort. Je fais gaffe quand même. Allez, la section de Whoops. Hop. Là, il y a un petit saut, je vais le faire. Wouhou. Bon, les sauts aujourd'hui, ça va peut-être être limite parce que je suis très faible. Peut-être un peu mou en suspension aussi. Donc on va le faire mollo aujourd'hui. Donc le virage là. Hop hop hop. Oh oui. Voilà, c'est ce que je voulais. Une moto qui se lève à l'arrêt Axel. Voilà, je l'ai. Wop, wop, wop. Ouah, c'est violent. Wouh. Wouh. Allez, on va descendre là. Waouh. Ouais. Ouh. Oh, j'ai déjà plus de bras, les amis. Ouais, c'est physique, hein. Par contre, ça monte super bien. J'ai une traction. Ouh. Bon, attention, descente là. Wow. Ouh. Ah, ça part. Allez, on va prendre là, il y a des petites difficultés. On va voir comment elle s'en sort. Oh, sans problème. Ouh.
Hop! Oh ah, c'est méchant! Oh, la compression là! Oh, j'ai clairement plus les bras! Oh, oh papa! Bon les amis, petit contrôle, savoir ce que j'ai envoyé. 16 kW, oh, 16 700, un peu décevant. Ah bah c'est moi, je mets pas tous les gaz, enfin si je mets mais pas assez longtemps. Enfin, pas le temps de monter. Ouais, je suis rincé. Wouh. Bon et pour aujourd'hui ça suffira alors. Pour rappel. Bon, je l'ai pas dit, mais je ne m'avais pas vu sur les réseaux parce que j'ai eu pas mal de petits problèmes physiques ces derniers temps. Bon, je m'étalerai pas dessus, mais bon, j'ai mal partout, j'ai mal à la hanche, donc j'ai pas toute la force. En cas de récupération extrême limite sur la jambe, j'ai pas de puissance, donc je fais gaffe quand même. Donc voilà quoi. Ah, puis, alors là j'ai la béquille qui supporte plus trop l'excédent de puissance. Bon, je vais me reposer un peu là, j'ai plus de bras là. Bon voilà, faut reprendre la condition physique parce que là avec 20 kW c'est... À mon avis je dépasserai jamais les 20 kW. De toute façon, au fraude, autant vous dire que c'est suffisant quoi.